Bonjour, aujourd'hui je propose une nouvelle recette autour de la pomme chantecler, une pomme rustique et acidulée pour un bon tagine à la coriandre. Pour ceci, il faudra des pommes chantecler, de la coriandre, des carottes, de la volaille, du razzelanout, des citrons confits, des amandes, des oignons et de l'huile d'olive. On s'y met ? On commence par émincer les blancs de volaille. On va les amasser assez finement pour que les blancs cuisent rapidement, donc bien fins. Alors c'est important aussi de les faire mariner. Alors pour la marinade, on met les blancs, comme ceci. Ensuite, le razzelanout, c'est un mélange d'épices. Alors il y en a une quinzaine généralement. Curcuma, coriandre fraîche, paprika, cumin. Donc on y va. Une bonne dose d'huile d'olive pour que les épices transmettent leur saveur à la volaille. Un tour de poivre du moulin. Une pincée de sel, toujours. Et on mélange. Allez, on passe aux carottes. Donc vous les avez épluchées, bien sûr. On va les tailler en fines rondelles. On les émince. On passe à l'oignon, également émincé. Ensuite, les citrons confits. C'est pour apporter cette note un petit peu amère à la tagine. Pensez bien à retirer les pépins et la chair à l'intérieur. Votre garniture aromatique est prête. On va pouvoir commencer à la faire rissoler. Une bonne dose d'huile dans la sauteuse. Et vous ajoutez les carottes et les oignons. On va les faire compoter pendant 5 à 6 minutes, comme ceci. On rajoute une petite dose de razzelanout encore. On va rajouter la volaille, hop, les citrons confits, on va rajouter la valeur d'un demi-verre d'eau, vous mélangez un petit peu et on va cuire à couvert pendant 7 à 8 minutes. Et pendant ce temps, on soupe des pommes. On va les évider et ensuite, tout simplement, on va venir les tailler en tranches, comme faisaient nos grands-mères, comme ceci. Hop. Au bout de 5 minutes de cuisson, je rajoute les pommes. Hop, là. Au passage, j'en mange une. Et l'amande. Et on remet à cuire. Allez, notre tagine est presque terminée. On rajoute la coriandre fraîche. C'est vraiment ce qui fait la recette de la tagine. On est mince, comme ceci. Voilà. On va rajouter notre coriandre à la cuisson. Un peu de sel dessus en plus. Un peu de poivre du moulin. Et voilà. On passe au dressage. Choisissez une belle assiette creuse. Et on y va. Hop. Alors, on met des pommes, on n'hésite pas. On met de la coriandre, on met de la volaille. Pensez bien à décorer. Une petite pomme chantecler en décoration. Et la touche du chef. Un vrai plat oriental à partager. Et je vous souhaite un bon appétit.